Mais pour l'heure, à 7h40, les acteurs de l'actualité en direct sur Europe 1, avec le directeur de l'Agence régionale de santé Île-de-France, l'ARS. Bonjour Aurélien Rousseau. Bonjour. Déconfinement donc le troisième jour. Je vais vous demander un peu votre état d'esprit finalement ce matin. Mais d'abord, selon les derniers bilans, 348 morts supplémentaires en 24 heures dans le pays, au moment où nous nous parlons. Quelle est la situation dans les hôpitaux franciliens et en particulier en réanimation ? Aujourd'hui, en réanimation en Île-de-France, on a toujours un peu plus de 1000 patients Covid+, exactement 1072. Et puis, on l'évoque assez peu en fait, on a toujours plus de 8000 personnes hors des services de réanimation qui sont Covid+, dans des services de médecine. Donc on le voit, le virus, il est toujours présent, il est toujours actif, et les hôpitaux sont toujours en tension pour faire face et pour accueillir aussi de nouveaux malades, parce qu'on en a encore tous les jours. Des hôpitaux toujours en tension. Et aujourd'hui, Aurélien Rousseau, on voit émerger des foyers, des clusters, comme on dit, Lannion, dans le département de la Vienne, dans les Hauts-de-Seine. C'est inquiétant ou est-ce qu'on s'attendait à cela ? À la fois, on est extrêmement mobilisé, à la fois des clusters, on en a eu depuis le début de cette crise, hein, depuis le mois de février, mais y compris pendant le confinement, on s'est projeté sur des situations qui étaient comme ça préoccupantes. Notre mobilisation, elle est sur toutes les structures collectives, on l'a vu en région sur des collèges. On l'a vu cette semaine dans les Hauts-de-Seine sur un foyer de jeunes travailleurs. On le voit dans des communautés religieuses aussi. Donc on est en permanence en veille pour identifier ces lieux qui peuvent conduire à des contaminations qui vont après se disperser. C'est ça notre préoccupation. Dès qu'il y a un petit foyer, il faut qu'on puisse aller l'éteindre pour qu'il ne se disperse pas et qu'après ça soit beaucoup plus compliqué de remonter les chaînes de transmission pour les casser. Parce qu'évidemment, s'ils se multiplient, c'est plus inquiétant. Tiens, le canal Saint-Martin lundi soir, le parvis du Sacré-Cœur évacué hier à Paris. Il y a ces images aussi de wagons bondés, pas tous, très loin de là, mais il y en a eu. Aujourd'hui, la situation du déconfinement, pour vous, elle fonctionne, elle est dysfonctionnelle? Est-ce que tout se passe comme vous l'imaginiez? D'abord, peut-être dire que les Français seront les premiers acteurs du déconfinement, comme ils ont été les premiers acteurs du confinement lui-même et des résultats exceptionnels qu'a permis ce confinement. Puisque c'est grâce à lui et grâce à la mobilisation des soignants qu'on a pu faire face à la vague qui est arrivée en Île-de-France. Ensuite, à la fois on comprend très bien le besoin de sortir, le besoin de retrouver une activité plus normale, mais on l'a dit, ce déconfinement, il ne pourra être que très très progressif, et il faut que chaque jour on regarde ce qui se passe et que en effet on soit prêt éventuellement à resserrer les règles, voire même à imaginer des solutions dans lesquelles on va devoir reconfiner, parce que tous les pays se sont heurtés à ces questions-là, à la question du rythme du déconfinement. Et moi, j'appelle nos concitoyens et les Franciliens en particulier à être à bien avoir en tête que c'est eux qui ont entre les mains la situation. Mais globalement, on le voit bien, on l'a vu dans les transports, on le voit quand on circule, on voit que beaucoup de gens portent des masques, on voit que cette culture de la responsabilité, elle a beaucoup progressé chez nos concitoyens, mais il faut que ce soit en permanence. Chaque fois qu'on sort de chez soi, il faut continuer pendant des semaines à se poser la question de est-ce que j'ai vraiment besoin de sortir ? Est-ce que je ne me mets pas en danger ou je ne mets pas en danger les autres ? Oui, mais vous l'avez dit Aurélien Rousseau, il y a un vrai risque de deuxième vague, un vrai risque de reconfinement. On voit hein, les pays asiatiques, on a ces images de Wuhan qui se repose des questions et qui se retrouve dans une situation où la ville doit se refermer au moins partiellement. On a même le Liban qui confine jusqu'à lundi soir, qui reconfine. C'est quelque chose qu'on pourrait connaître. Il faut en être conscient. Il faut être conscient, il faut être lucide. Dans cette crise, on a eu beaucoup de choses qui n'étaient pas prévues. Mais dire ça, ça doit pas nous déresponsabiliser. Dire ça, ça doit plutôt nous dire, en fait, on a les moyens d'éviter ça. On a les moyens avec le respect des mesures de distanciation physique, en protégeant les personnes les plus fragiles, et nous, les autorités sanitaires, en mettant en œuvre avec les médecins libéraux, avec l'assurance maladie, un dispositif de traçage, d'isolement des personnes à risque. Et c'est essentiel, et j'entends ce que vous dites. Aujourd'hui, on est encore acteurs
tous les citoyens. On a encore la possibilité d'éviter ce scénario du reconfinement si on respecte les règles, cela va de soi. Quels sont aujourd'hui, Aurélien Rousseau, pour vous, ce que vous identifiez du côté de l'ARS comme étant des réservoirs à contamination? Les transports? L'essentiel des réservoirs à contamination, c'est plutôt une dynamique. Il faut qu'on soit capable d'identifier tous les nouveaux cas de Covid et de rentrer en contact et d'isoler. La contamination, elle peut venir d'endroits qu'on n'avait pas prévus. Donc il faut qu'on soit capable de se projeter très vite. Et puis par ailleurs, c'est vrai que avec les données, avec les acteurs, notamment avec les collectivités territoriales, on a des maires qui nous signalent, qui nous disent là, il y a eu pas mal de cas de Covid, est-ce qu'on peut aller regarder ce qui se passe? Et c'est ça aussi qu'on fait. On essaie d'être proactif, d'anticiper les risques. Mais c'est ça notre sujet. On est en vigilance maximale. Et le premier acteur de ça, je le redis, c'est au moindre symptôme, on va voir son médecin. Il y a 530 points de prélèvement pour faire des tests PCR en Île-de-France. Et donc aujourd'hui, les tests sont accessibles, les médecins sont mobilisés, et c'est ça le premier geste qui nous permet de casser les chaînes de transmission. Et il y a un véritable engouement pour ces tests, évidemment. Et on aura l'occasion d'en reparler. Aurélien Rousseau, les quartiers à forte densité de population aussi, ce sont de premiers éléments sociologiques présentés par l'INSERM qui lance une étude pour connaître le profil sociologique des personnes infectées par le Covid. 40% des patients issus de milieux défavorisés. Ça compte en Île-de-France pour vous, Aurélien Rousseau? Bien sûr, dès le milieu de la crise, dès le début du mois de mars, on a eu des premiers chiffres sur la surmortalité. Et on a constaté qu'en fait, cette épidémie, elle est une chambre d'écho aux inégalités. On les connaissait déjà, ces inégalités. Mais oui, dans l'accès aux soins, dans le renoncement aux soins, dans le fait que les personnes précaires, mais pas que les personnes précaires, que les inégalités sociales, elles ont toujours une transcription dans des inégalités en santé, avec des pathologies qui, quand on attrape le Covid, sont encore plus dangereuses. Ce qui est sûr, c'est que dans ce monde d'après dont on parle beaucoup, la lutte contre les inégalités en santé, ça sera l'objectif numéro un. Accès aux soins, non-renoncement aux soins, et puis adapter nos pratiques, adapter nos mesures de prévention, nos mesures de protection à la réalité de la vie des gens. Parce que si on ne fait pas ça, en fait, on passe à côté des inégalités et on risque de renforcer encore les effets de cette épidémie. Aurélien Rousseau, merci beaucoup. Le directeur de l'Agence régionale de santé Île-de-France en direct ce matin sur Europe 1. Merci encore une fois les acteurs de l'actualité. Nous vous les présentons tous les matins et là aussi vous réagissez, vous témoignez au 3921 et sur le hashtag Radio Ouverte. Il est 7h47.